Salut YouTube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est la quatrième vidéo de la série Airbnb. La semaine prochaine, on retourne sur le transport aérien. Donc, les deux premières vidéos concernaient les visiteurs, un petit peu comment ça se passe si vous allez aller pour la première fois dans un Airbnb. Les deux vidéos, c'est la semaine passée et celle-ci, concernent plus les hôtes. Mais ne partez pas, si vous êtes un visiteur, ça peut être intéressant pour vous de savoir un petit peu comment ça se passe pour un hôte Airbnb. Donc, bienvenue à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines, je parle de voyage, de transport, beaucoup de transport aérien, mais je parle un petit peu de tout ce qui touche le voyage. Et cette semaine, on termine la série Airbnb. J'en profite pour souhaiter une bonne année 2019 puisque je filme cette vidéo le 2 janvier. Donc, merci de m'avoir suivi. On avait passé le cap des 2000, YouTube a fait un ménage des comptes inactifs, on est descendu en dessous, mais hier, on a repassé le cap des 2000 pour 2019. Donc, c'est super. Merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Vous appuyez simplement sur le petit bouton subscribe qui se trouve par ici. Vous pouvez aussi activer la cloche qui vous permettra de ne manquer aucune vidéo. Ça ne vous force pas à les regarder, mais au moins vous savez quand il y a quelque chose de nouveau. Alors la semaine passée, on a parlé un petit peu de quel type d'expérience vous voulez créer pour votre Airbnb. Cette semaine, on va parler de deux sujets. Le premier, c'est important, c'est l'argent, le budget. Et ensuite, on va parler du marketing. Alors pour commencer avec votre budget, il faut que vous sachiez un petit peu combien vous coûte votre Airbnb. Donc vous allez avoir des coûts qui vont être générés par vos clients, par vos visiteurs. Ça va être la consommation d'électricité, la consommation d'eau. Donc ce n'est pas quelque chose qui est facile à mesurer comme ça du jour au lendemain. En général, ça vous prend 2 à 3 factures pour que vous puissiez avoir une bonne différence entre les avant Airbnb et le après Airbnb, voir si ça coûte plus cher. Oui, les autres Airbnb ont souvent tendance à laisser la lumière allumée toute la journée, ça se voit souvent. Laisser les climatiseurs fonctionner toute la journée parce que c'est pas nous qui payons la facture, donc ça nous gêne un petit peu moins. Je dis pas que c'est tous les visiteurs qui font ça, mais c'est une tendance qu'on trouve assez souvent. Donc à vous d'essayer de mettre des minuteries parfois pour essayer de faire quelques économies. En tout cas, vous devez avoir, au bout de mois, vous devez avoir une petite idée de combien vous coûte la consommation d'énergie. Ensuite, vous avez le coût de toute votre lingerie que vous avez acheté, vos sets de draps, vos sets de serviettes, etc. Donc imaginons que vous allez le garder pendant 2 ans. On va prendre un taux de remplissage assez conservateur, peut-être de 30% pour les 2 premières années. Ça risque d'être plus, mais au moins ça vous donne une petite marge. Donc 30% par an, ça fait à peu près 120 nuits. Donc on va dire qu'ils ont duré vite 240 nuits. Donc vous prenez le coût de cette literie, vous divisez par 240 et vous savez combien ça vous coûte par nuit pour commencer. Ensuite, si vous devez les remplacer plus tôt, vous ferez un ajustement, mais d'ici là, vous aurez fait un petit peu de marge. Un coût important, c'est le coût du ménage, mais là-dessus, Airbnb vous permet de le différencier. Donc, vous faites un prix par nuit et ensuite, vous pouvez mettre aussi un frais supplémentaire pour le ménage qui est fait en général à la sortie des clients. Donc, moi, je sais que ça me coûte à peu près 70$ de faire le ménage de mon appartement je recharge simplement 70$. En fait, ça me coûte un peu plus parce que je lave les draps et je les sèche et je les repasse moi-même. Donc, ce coût de savon, de machine à laver, de repassage et mon temps, je ne le calcule pas. C'est un petit cadeau que je fais, mais là, de côté, je me fais un peu plus de profit. Donc ça marche quand même. Mais soyez honnête, c'est le prix que ça va vous coûter. Donc maintenant, vous avez une bonne idée combien vous coûte votre Airbnb par nuit. Ensuite, maintenant, pour définir votre marge, donc à combien vous allez charger et quel profit vous allez faire, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer. Je vous dirais que la première chose à faire, c'est regarder un petit peu combien chargent vos voisins sur Airbnb. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe dans votre quartier, dans votre arrondissement, si vous êtes sur une grosse ville. Si vous êtes vraiment en région ou dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'Airbnb, peut-être élargissez la recherche à 10 à 20 km, peut-être même 30, pour voir un petit peu sur un hébergement de type similaire avec le même nombre de personnes, le même nombre de pièces, combien est-ce que vos concurrents chargent et vous chargez un tout petit peu moins cher parce que vous êtes nouveau dans le jeu et donc vous devez essayer d'attraper les nouveaux clients. Une fois que vous aurez beaucoup de commentaires de clients et que vous aurez plein de 5 étoiles partout, dans ce cas-là, vous commencez à augmenter un petit peu votre prix. Alors dites-vous aussi qu'il y a des périodes plus hautes saisons, des périodes de plus basses saisons, donc vous pouvez aussi ajuster votre prix par rapport à ça. Moi je sais qu'ici l'été est une plus haute saison, l'hiver il pleut beaucoup, donc c'est pas forcément là où ça attire le plus de monde. Donc l'été j'ai des prix qui sont plus importants, mais je me regarde par rapport à mes concurrents, on a tous augmenté nos prix. En hiver c'est un peu plus difficile, donc moi je vais des spéciaux. Donc c'est pas quelque chose qui est facile de faire sur la plateforme Airbnb, elle n'est pas été conçue pour ça. Mais en général dans le titre je vais indiquer qu'il y a une offre spéciale réservée 4 nuits, la 5e est gratuite. Pourquoi je fais ça? C'est parce que la plupart de mes clients restent seulement 3 nuits. Mais en voyant une offre spéciale, ils vont arriver sur ma page, ils vont cliquer sur ma photo et là, après, c'est à moi de les convaincre de rester chez moi. Donc, vous pouvez essayer de jouer un petit peu et je vous dirais que la 5e nuit gratuite, j'en ai peut-être fait quoi, 10 dans l'année, mais en attendant, ça m'a permis de remplir les autres nuits.
Ce qui se passe maintenant sur Airbnb en 2019, c'est qu'il y a beaucoup de compétition. Vous avez beaucoup, beaucoup d'autres appartements qui sont sur Airbnb, des maisons, et comment ressortir du lot. J'expliquais ça à quelqu'un l'autre jour, j'expliquais qu'un petit peu Airbnb, c'est lorsqu'on est sur leur site internet, c'est un petit peu comme si on était physiquement dans une rue et qu'il n'y avait que des marchands qui vendent tous la même chose. Donc mon exemple que j'avais pris, c'est qu'on vend tous des chaussures à différents prix. Vous avez des chaussures bas de gamme, pas chères, vous avez des chaussures très haut de gamme, très très chères, comme vous avez des maisons et des appartements peu chers ou très chers. Notre exposition aux clients, même si la boutique à l'intérieur est différente, c'est toujours la même taille de vitrine. Donc comment est-ce qu'on va réussir à convaincre les gens de rentrer dans notre magasin, sachant qu'il y en a 500 autres qui vendent tous des chaussures, qui ont tous exactement la même vitrine? Comment faire en sorte que notre vitrine les attire, que notre nom les attire? Sur le site d'Airbnb, c'est votre photo, ce qu'on appelle le thumbnail, la petite photo qui va apparaître, celle que vous allez choisir. Ça va être votre titre, comment vous allez l'appeler, et le prix. Une fois qu'ils sont rentrés dans la page, rentrés dans votre magasin physiquement, après à vous d'avoir une belle description pour les convaincre. Quelque chose que j'ai fait sur mes deux Airbnb que je possède, c'est que je les ai thématisés. Mon Airbnb, mon premier que j'ai eu, je l'ai thématisé aérien. Okay, je travaille dans le milieu, et donc bah, vous avez des chariots d'avion comme celui-là, vous avez un panneau de consigne de ceinture de sécurité et d'éteindre vos cigarettes au plafond, etc. Donc vous avez plein de petits accessoires, une poignée de porte d'un Boeing 747, plein de petits accessoires que j'ai achetés sur eBay, j'ai collectionné pendant des années et je les ai tous mis là-bas. Donc les gens, lorsqu'ils voient une photo de mon appartement sur Airbnb, ils voient des sièges d'avion. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils cliquent et après, c'est à moi de les convaincre. Puis j'ai plein de bons commentaires, donc en général, c'est pas compliqué à vendre. L'autre appartement, je l'ai thématisé Cirque du Soleil, tout simplement parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années au Cirque du Soleil. J'ai pas d'accessoires parce que je peux pas avoir des accessoires du cirque, mais j'ai mis beaucoup d'affiches pour essayer de recréer un petit peu l'atmosphère. Des affiches en fait qui sont encadrées, aussi des posters de shows. Ce qui fait que je rappelle un petit peu l'univers du Cirque du Soleil, tout simplement. Alors, à vous de chercher un petit peu qu'est-ce que les gens pourraient chercher dans votre région, par exemple, ou dans votre ville. J'étais récemment à Brooklyn, qui est la banlieue de New York, et quelque chose d'intéressant à Brooklyn, c'est que vous pouvez trouver des concerts de gospel. Donc, c'est pas quelque chose que je trouve chez moi. Il y a beaucoup de gens qui vont dans le coin de Brooklyn pour pouvoir justement assister à un concert, écouter du gospel, parce que c'est quand même assez différent, assez sympa. C'est pas une église sur laquelle on va s'ennuyer, mais justement, les gens vont danser et chanter. Et donc, le Airbnb que j'ai loué avait thématisé avec du gospel. Donc, ils avaient mis des affiches, même chose, ils avaient même pris un saxo, un vieux saxophone qui sont accrochés au mur, donc on ne peut pas le enlever, on ne peut pas jouer avec, tant mieux pour les voisins. Mais en attendant, ils ont une thématique et c'est ce qui m'a permis de les trouver et les choisir. Donc à vous de trouver un petit peu qu'est-ce qui attire les gens dans votre région. Peut-être ça va être avec une exposition, avec des informations, avec un documentaire, quelque chose qui va faire en sorte que vous allez thématiser votre appartement. Les deux autres éléments qui sont très importants, c'est les photos et le descriptif de votre appartement et le titre. Alors pour les photos, on voit des photos horribles sur Airbnb. On voit des gens qui mettent des photos qu'ils ont prises avec leur téléphone. On les voit d'ailleurs dans le reflet du miroir où on voit le bras avec l'appareil photo ou en général le téléphone. On va avoir du linge qui va traîner, on va trouver le bol de la toilette qui va être ouverte. C'est votre vitrine. Est-ce que vous voulez montrer quelque chose de sale, de cheap, de pas rangé, ou vous voulez montrer quelque chose de beau? Regardez les photos des hôtels. Vous avez toujours des chambres complètement super propres, comme si personne n'y avait jamais dormi. Ben, c'est la même chose que vous voulez donner. Donc, ne prenez pas des photos avec votre téléphone, même si c'est un super Samsung, je ne sais pas combien de Galaxy 2000X ou un iPhone 25. Ça ne vous donnera pas des photos de niveau assez professionnel, en général, pour pouvoir faire un beau listing, ou très rarement. Essayez de trouver quelqu'un que vous connaissez qui fasse de la photo. Ça peut vous aider. Ça peut vous faire un prix assez intéressant. Vous pouvez aussi également regarder, peut-être pour un photographe d'agent immobilier. Ils ont l'habitude de photographier des maisons. Ils savent les mettre en valeur. Ils savent comment bien éclairer aussi toutes les photos que vous allez prendre. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça a un coût, mais c'est un investissement que vous pouvez remettre derrière dans votre marge de profit. Et puis, vous avez aussi, dans certaines villes, Airbnb vous propose de venir faire des photos avec paiement ou gratuitement, dépendamment de là où vous habitez. Et là, ça va être fait par un professionnel. Donc, c'est quelque chose à considérer, mais ne lésinez pas sur la qualité de vos photos. N'oubliez pas que c'est votre vitrine. C'est ça qui va permettre aux gens de rentrer. Et le dernier point, c'est le descriptif avec le titre. Alors, on n'est pas tous écrivains. Moi, je vous conseille de vous rapprocher de quelqu'un qui sait bien écrire. Si votre clientèle est essentiellement francophone, commencez à écrire votre listing et puis faites-le relire par quelqu'un qui connaît bien les bons mots, qui va être en marketing, quelqu'un qui a un bon vocabulaire, qui sait bien se présenter. Je ne dis pas que vous écrivez mal, mais n'oubliez pas que quand vous voyez une publicité à la télévision, tous les mots sont vraiment choisis très scrupuleusement parce que certains mots ont plus d'impact que d'autres. Donc, c'est la même chose que vous devez faire pour votre Airbnb.
Si votre clientèle est plutôt internationale, vous devez avoir un listing impeccable en anglais. Même chose, demandez de l'aide. Vous pouvez soit peut-être demander au professeur d'anglais de votre petit enfant ou de votre nièce, de votre neveu ou peu importe, quelqu'un qui connaît bien la langue de Shakespeare. Si vous voulez quelque chose de très professionnel, vous avez aussi des gens qui ont c'est le métier d'écrire. Donc vous pouvez les engager pour ce genre de choses. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos. En fait, le site c'est Fiverr et vous avez des gens qui sont spécialisés pour ce genre de choses. Un site anglophone, donc ce sera à vous de bien écrire au maximum votre appartement, éventuellement mettez-le directement sur Airbnb et cette personne va réviser tout ce que vous avez écrit et vous donner un anglais qui va être parfait. Une fois de plus, ça a un coût, mais n'oubliez pas, tout ça c'est des investissements, donc si vous voulez avoir du succès sur Airbnb, il faut que votre vitrine, votre nom, votre prix attire les gens. Et voilà, ça conclut cette série sur Airbnb. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez eu des bonnes expériences, une mauvaise expérience sur Airbnb, ou si vous êtes un hôte et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. Une fois de plus, je ne pourrais pas répondre aux questions qui concernent les taxes et les impôts parce que c'est quelque chose de très local et régional. Et moi, je ne suis ni basé en France, ni basé au Canada, donc je ne connais pas les implications. Et en général, de toute façon, c'est local, c'est au niveau de votre ville. Donc, pour ce genre de choses, je vous invite à vous rapprocher à votre municipalité ou à votre comptable. Si vous aimez les vidéos, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, il n'est pas trop tard. Sur le bouton qui se trouve en bas et puis je vais vous mettre le lien sur les autres vidéos que j'ai fait sur Airbnb si vous ne les avez pas vues, ça va se trouver par ici et en bas vous allez trouver d'autres vidéos sur le transport aérien. On se retrouve la semaine prochaine, salut!